Dans le 3, dans le 4 de Sam Raimi. Non, il voulait faire le film autour du vautour, il me semble, dans Spider-Man 4. Ce qui a été fait avec avec le Spider-Man Homecoming. Mais il y avait un projet, hein, Sinister Six, tout ça et tout, qui était repris après avec les Amazing. Bonsoir Basalt. Ouais, non, je suis désolé, la question, je trouve pas si ouf que ça. Après, moi, je regrette... un autre truc que je regrette dans le jeu, c'est que déjà, bon, il n'y a pas le... Il n'y a pas le symbiote. Il n'y a pas le costume du symbiote en bonus. Parce que ça, c'est quand même un grand classique qu'on a dans tous les jeux. Et il n'y a pas non plus le... Spider-Man, merde. Je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté? Non, c'était l'une de ses activités officielles, avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Ouais, donc je disais, il manque le... Je trouve le deuxième costume de Ben Reilly quand il reprend le... Quand il reprend le rôle de Spider-Man, je l'aimais beaucoup celui-là, qui était repris aussi avec le personnage de Spider-Girl par la suite. Tout est bien qui finit bien. Ben Reilly n'existe pas car la saga des clones n'existe pas. Je suis d'accord, c'est pas fifou, mais bon. Les costumes sont stylés. Moi j'aime bien le costume de Scarlet Spider, qui est dans le jeu d'ailleurs. Et c'est cool. Ah, mais c'est chiant qu'il s'accroche pas. Ah non! Non, ce n'est pas une bonne façon de soutenir les commerces locaux. Qu'il fasse ça, je me prends des balles dans la gueule. Ah putain! Mais putain! Voilà. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Je pensais faire baisser la criminalité en arrêtant Fisk. Je me suis peut-être emballé. Il vaut peut-être mieux que je sois ailleurs.
Ah, première phase d'infiltration, si je me souviens bien. Yoé, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Y a pas mal de monde ici, mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Alors après, ça dépend, parce que tu dis, quoi, y a beaucoup plus d'ennemis avec des armes à feu par rapport à Batman. Bah, le truc, c'est que... Enfin, ça dépend, parce que moi, j'ai comme souvenir que, justement, dans Arkham Knight, il y a énormément d'armes à feu, contrairement aux autres. Ok, Spider Gadget, ah oui, c'est vrai, les trucs dont je me sers jamais. Mais qu'on est obligé, quand même. Alors, je peux... Ah, je peux pas prendre... Je suis obligé de prendre celui-là, d'accord. Mais jure, pour l'instant, je suis pas en mode les compétences, tout ça, pour l'instant, je m'amuse et on fera tout ça après. Ça pourrait bien marcher. Attendez, j'ai d'autres spider suit. What? Ah oui, d'accord, c'était ça. C'est... Je sais plus à quoi ça correspond, mais... Ouais. Je suis obligé? Putain, je suis obligé. Mais... D'accord, j'étais obligé. Le doc serait fier. Ah oui, c'est vrai, si ça j'utilisais, c'était bien ça. Sont les... C'est dans compétences, dans gadget, dans tenue, tout simplement. Ah bah voilà. Ah bah c'est ça. Ah bah il y a tout ça. C'est très bien. Ah oui non, ça c'est... Non, on n'aime pas ça. Il y a Maguire. Ah voilà, c'est ça qu'on va prendre. Je peux l'acheter. Ou celle-là, c'est vrai, la tenue d'origine. Ah oui, c'est vrai, il y a des trucs de, il y a des trucs que j'ai pas compris. Hein. Puis il y a trop de, je trouve qu'il y a trop de Spider-Man Iron-manisé aussi en costume alternatif. Je suis pas fan. Bon. On va prendre le meilleur costume. Alors j'hésite entre celui-là et le Ben Reilly. Mais... J'arrive pas à croire que Spider-Man est fini par gagner. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. J'attendais que tu remarques qu'il y a les costumes. Bah non, mais je sais, j'ai déjà fait le jeu. Donc je les ai déjà essayés, tous les costumes. Donc, je savais qu'il y avait celui-là. Mais je savais pas qu'ils étaient débloqués de base en fait. Je croyais que c'était des trucs que tu débloquais en faisant des trucs, des combos, des machins, des missions secrètes. Il a pas vu venir celle-là. C'est la règle numéro 1. J'avais pas intérêt à être en retard pour une livraison. Jamais. Le chef ne présente pas. Je me casse. Il acceptera aucune erreur. Un jour, un gars a décidé de s'arrêter. Putain, ça se coupe mal, dis donc. Qu'est-ce que je fais comme connerie? C'est la dernière livraison, si tu vois ce que je veux dire. On est bien payé. Non, c'était pas ça, il fallait que je fasse X, putain. J'ai plus les réflexes. Excusez-moi. Quoi le problème? T'as peur d'un petit flingue? C'est X. Non, le costume reste le même, ouais, effectivement. J'essaie de regarder un petit peu le chat. Alors lui, c'est un... Mais beau rêve. Deuxième. Et je trouve que les phases d'infiltration comme ça, je préfère celle-là à celle de Batman. Ça va saigner, je te le dis. Merde.
Allez, go. C'était pas très propre, je suis désolé. Ah, j'ai pas eu le temps. Oh non, en voilà d'autres. Ne laissez pas vous choper. Je sais plus moi. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Trafic d'armes. Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai changé? Regardez, putain, j'ai pas vu les objectifs, fais chier. Ils ont gardé leurs copains. Entoler 5 ennemis et un mur, d'accord, ok, on va faire ça. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Et ça marche pas, je me suis gouré. Oh, putain, fais chier. Voilà, plus qu'un. Ça, c'est bien. Ah la vache, j'ai oublié ça. Ah oui, c'est vrai, il contre-attaque direct. Attends. Eh merde, je peux plus faire tous les trucs. Bon, c'est pas grave. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Aïe aïe aïe, quel échec. Jusqu'à d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil. Et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Oui. Ah, du coup, on peut les refaire. Je sais pas qu'on peut, je me souvenais plus qu'on pouvait les refaire. Je me vomis dans la bouche. Je me vomis dans la bouche. Du coup, je vais clear ça. C'est où, c'est derrière? Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver. On a
appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Ah merde, faut retourner au labo, putain. Quel commencer. Oui. Disons que c'est plus dynamique quoi, en termes de gameplay, là où Batman est quand même un peu lourdeau dans ses mouvements, tout ça. Il est, c'est normal, il a pas de super pouvoir, il a un gros équipement, c'est logique que Spider-Man soit plus vif et rapide et tout ça quoi. Arrêtez ce métronome! J'y ai! Ah putain, course poursuite, je déteste ça. Il fait le tour du quartier, il me troll. Putain. Sans déconner, il fait vraiment le tour du quartier. Ça, je m'en souviens bien parce que j'en ai fait tellement de ces merdes. Attention maintenant, mitraille. C'est perturbant parce que sur PlayStation, c'est le bouton carré. Arrêtez la voiture sans se blesser. Ah merde, je me suis blessé. Crotte. Par contre, j'ai l'impression qu'en termes d'ambiance, il n'y avait pas autant de gens qui criaient sur... Si ? Je me souviens plus en même temps. Il était là, je l'ai vu. Et me revoilà. Donc, comme je le disais, c'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain ? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas le cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. Ah, tu me connais bien. Je sais que j'aime ça. Tu as joué à Mad Max ? Non, je l'ai depuis très longtemps. Je l'avais eu vraiment pas cher, en plus. Il est toujours sous blister dans sa boîte. Mais à ce qui paraît, il est bien. Appel à toutes les unités. 10-10, vente de stupéfiants. C'est où ? Oh putain. J'en ai bien besoin. Je vais me prendre ma petite dose. De combat, bien sûr, pas de drogue. Bonjour, vous dites-nous avez la drogue. Trois esquives glissées, faut faire, attendez. Merde, putain, fais chier. Bon bah tant pis. Le trafic de drogue est peut-être le crime que je déteste le plus. En tout cas, c'est en haut de la liste. Ou bon, en bas, ça dépend comment on voit. Pourquoi ? Parce que tu préférais que ce soit légal ou parce que t'es un... Putain de nazi, pardon. Laisse les gens se défoncer, enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pardon, je plaisante bien sûr. Ne vous défoncez pas les gens. Défoncez plutôt les gens qui se défoncent. Allez, on va vers l'objectif. Oui, ah ça j'adore les grandes chutes libres comme ça. Et raté. Ah merde, raté. Ah raté, j'ai tout raté. Je
Non, c'est la mère Michel. Vous avez essayé de frapper ? Et deux. Et deux. Merde, pas deux. Attends, faut attaquer des ennemis par derrière, c'est ça ? Ah putain, mais attendez, laisse-moi. Attendez, mais j'essaye de faire des trucs. Ah non, il est tombé là. Ah si, c'est marché. Attendez, attendez. Oh, putain. Faut que je les frappe par derrière, mais eux c'est pas possible. Donc, y a que lui c'est possible de le frapper par derrière, donc. Ah ça a pas marché. Putain, pourtant j'étais derrière lui là. Fait chier. Ah si, c'est bon, ça marche. Vous devriez changer de branche. On peut rejouer. C'est bien parce que c'est. Et est-ce que vous avez remarqué? Moi j'ai remarqué ça quand j'y ai joué. Il a les mêmes mouvements que dans les films d'Andrew Garfield. Notamment, regardez l'intro de Amazing Spider-Man 2. Qui est magnifique d'ailleurs. Et bien, c'est exactement les mêmes mouvements. Dans le nord d'Amsterdam. Plutôt vilain cet accident. Il y a peut-être des blessés. Je me mette là. Ah non. Y. Il faut que je me dépêche. Je suis là. Ben moi j'aime bien les deux. Non, c'est pas ça. Me faites pas chier. C'est où l'autre qu'il faut faire? C'est bon? J'ai tout. Il y avait un autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Arrêtez de gueuler, putain! Délit de fuite, sauver les civils. Mais c'est où? J'ai pas compris. Ah putain! Pas de panique, je suis là. Allez, tiens, dans ta gueule, toi là-bas, tu me plais. Les victimes sortent de danger. C'est bon? De faire leur travail. Excusez-moi, j'avais pas compris. Ah, tu étais en VO, toi. On ne s'en lasse pas. Hein. Ah putain, c'est où? Il y a beaucoup de bruit à New York. Mais mon masque peut isoler les sons étouffés. Par exemple, ce que ferait une victime bâillonnée. Non mais sans déconner. Ça s'est annulé ou quoi? Merde. Bon, d'accord. Ma tenue. Ce bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Un truc qui sert à rien. Mais LT, c'est sûr. Ouh. Ah oui, il y a des trucs à prendre en photo, c'est vrai. Ma carte a dû se recalibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça aussi, c'est cool. Ça aussi, c'est cool parce que ça va avec le personnage qui est photographe. Et oui, ça, c'est une bonne idée. C'est pour ça qu'on veut un dating sim dans Marvel Spider-Man 2. C'est au niveau du sol le radar. Ouais, je me dis, non, mais c'est. Pff, je laisse tomber quoi. J'ai tout gâché. C'est Monsieur Lee. Allô? Peter, c'est Martin Lee. Putain, je voulais dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la Martin fête. Lee couchette? En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Et le gâteau? D'accord, vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent, à bientôt alors. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Mec qui se branle jamais, quoi. Ah, Cassie, bah, faut pas. Doucement, calmez-vous.
you go. Can you sign this for me? J'aime pas les modes photo dans les jeux vidéo, mais dans Spyro. Oui, voilà, je suis d'accord, moi, dans les... ça, c'est le genre de truc qui me casse les couilles en général, mais. Et là, ça a du sens, tout à fait. Photo! On va se mettre là, on nous signale une vente de drogue en cours. Convergez vers Grande Centrale, terminé. D'accord, j'y vais. Si c'est à propos du loyer, Monsieur Parker. Cet appel est votre troisième et dernier avertissement. L'expulsion... Attendez, attendez, je suis payé en fin de semaine, je peux... L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Et bonne journée. Ça c'est très Spider-Man aussi, le mec qui règle ses problèmes pendant qu'il se barre. Faut gérer son loyer dans le jeu. C'est empêcher les criminels. Ce serait rigolo. Salut, monsieur Dill. Salut, Peter. Tout est prêt pour la fête. On n'attend plus que toi. Cool, je me mets en route. Et il y a des phases en EHPAD aussi où tu dois aller voir ma tante May, lui donner à manger, lui changer sa couche, tout ça. Voilà. Oui. Ça c'est mon gros kiff dans le jeu, c'est grimper en haut des plus grandes. Ah merde. C'est où ça? Je connais ça. Youla. Ah merde. Je sais que c'est là. Mais est-ce que... Non c'est pas... Pourquoi je les vois pas? Pourquoi je les vois pas? Ils sont où? Ils sont là-haut là? Bonjour. Vous êtes sur les toits? Vous êtes où? Ah ils sont là. Bonjour. Hey, hey. Alors, c'est comme ça qu'on fait. Il est pas censé me toucher, putain. Lancer des objets. J'ai vu. J'ai pas eu le temps de tout voir. C'est quoi l'autre? Entoilé, trois ennemis en mur. Alors déjà on prend en sens là. Voilà. Et on lance trois objets. C'est bon, c'est fini? Ah non. Y'a qu'on perd Guillery encore là. L'arrestation de Fisk a fait ressortir toute la vermine des bas-fonds. Superman 64, non bah non on l'aurait pas fait parce que j'ai pas eu le jeu donc je n'aurais pas fait Superman 64. Dans tous les cas. Ah, l'Ubisoftisation des jeux. Gérer le loyer, c'est une des activités du petit jeu indé au loyer Sometimes Monster. D'accord. Simulateur de chute sociale. Oh non, un vrai trauma ce jeu. Oh, j'ai pas besoin de jouer. Ça, c'est pour les gens qui savent pas ce que c'est. Ça m'intéresse pas. La portière a été arrachée par un mec en moule bite projetant des toiles avec son bras. Ça passe dans l'assurance. À tous les agents en service, un kidnapping est en cours. Oh là là, ça c'est important. Ouais, mais je connais pas par cœur les endroits. Ah, c'est vrai. J'y suis, j'y plonge, j'y cours, j'y vole, j'y. Et me casse la gueule. J'ai configuré mon oreillette pour qu'elle détecte les sons de lutte. Ah, c'est d'accord, c'est ça.
C'est vrai, ils sont dans les coffres de bagnole. Du calme, je suis là. Oh, oh mon Dieu, merci. Je hais les espaces confinés. Les revoilà. Ils vont me remettre là-dedans. Oh, tu vas pas aimer 2021. 2020, pardon. Ils sont où? Les voilà où? Parce que je les ai pas vus, moi. Le tweet. Ah, ils sont là. Oula. Trois objets, c'est encore les objets, d'accord. Les objets. Objet numéro 1. Objet numéro 2. Entoilage. Toi, viens là, il faut que je t'entoile, toi. Ah putain. On va faire l'objet numéro 3 parce que. Objet numéro 3. Et suivi d'un entoilage. Ça n'a pas marché! Il fallait que j'attende qu'il se relève. Oh non. Oh là 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 là, quelle déception. Ah! Alors je l'aimais bien ce petit parasol. Ah, coucou la France! Il n'y avait pas eu un délire parce qu'il y avait des gens qui s'étaient plaints parce qu'il y avait des drapeaux LGBT ou je sais pas quoi dans le jeu. Au secours, quoi. On en est là. Bouya, tante mère. Je dois corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je ne suis pas rempli de colère, je suis rempli d'amour. Je dénonce l'injustice, la corruption et les crimes contre l'humanité. Là, j'entends Hanouna, moi. Cette ville, et je veux qu'elle aille mieux. Ce que vous entendez dans ma voix là, c'est rien que de l'amour. D'accord. Viens, on met un pouce rouge à Jean-Louis. Pourquoi? Enfin. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Arrêtez avec Monsieur Lee, putain. Non. Moi, je me souviens, je m'étais fait chier à tout fouiller là-dedans, de me dire, ah ouais, non, en fait, dans les phases là, y a pas de console. Alors là, il doit y avoir les photos des développeurs du jeu, évidemment. C'est forcé. C'est soit les développeurs du jeu, soit les gens qui ont participé au crowdfunding, mais comme le jeu n'a pas été crowdfundé. Il y avait des trucs ici. Va vraiment mal. La jolie assistante sociale est encore passée aujourd'hui. Si tu veux que je te la présente, n'hésite pas. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait rien d'autre à faire. Salut Peter. Salut. Ah. La partie se passe bien? À ton avis. Faites toujours semblant de jouer. Il commence à devenir sénile, Pete. Je suis en train de l'écraser. Oh, le plus important, c'est de s'amuser. Je m'amuse comme une gamine à lui botter les fesses. Dans tes rêves, vieille folle. Parti, Pete. On joue pour des cacahuètes. Non. Merci. C'est pas trop mon truc. Tu n'es pas Peter Parker, tu es une fraude. Bon, on va pas parler à tout le monde, hein, parce que... Bon, voilà, quoi. Ah, Peter. Comment ça va? Non, je connais pas. Passer. Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Hmm? Pas de problème. Hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de... Monsieur Lee Major. Je l'ai. Peter.
Que se passe-t-il? Oui, raconte-nous. Allez, dis-moi tout. Des éjaculations nocturnes? Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. C'est la fête. Merci beaucoup, coach, pour le sub offert à Gwen is dead. Oh non. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, tante May a toujours dit que sauver une personne, c'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête. Ah, une photo avec des furies derrière. Beaucoup. C'est Cats, le musical. Attends, il y a Monsieur Lee cuisine. Monsieur Lee, c'est un peu comme Martine, mais avec Monsieur Lee, quoi. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Ah si, on peut courir. Mais si qu'on peut courir, putain de merde. Il faut appuyer avec le bouton de course. Attends, quoi, il voulait me parler, lui? Il voulait me parler, toi? Peter, c'est ça? Ah, bah t'es là, toi. Je vais montrer des photos de toi, bébé. Ah, merde. Moi, c'est Gloria. Je suis nouvelle ici. C'est Spider-Man qui m'a conseillé cet endroit. Ah, c'est vrai. Enfin, cool. Vous vous plaisez ici? Les gens sont sympas. Je vais peut-être rester. Au moins, un peu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire signe si je peux vous aider. Je vous regarderai jamais dans les yeux quand je vous parle. Gloria Hall, mais non. Non. Message vocal de Yuri. Hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk? Génial. Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Kingpin. Pourquoi il dit Kingpin alors que c'est le Kaïd en VO? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux faire le malin ou quoi? Oui, lui, il y a des trompettes, je suis le héros. Ah, il y a un sac là, on va chercher le sac. J'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Tu peux regarder chez les gens. Je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, tante May. Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais c'est Peterman. Je sais pas quoi te dire. Je suis Peterman. Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Trace soit maudit au 1617. Ah, une photo. C'est la photo de quoi? Parfait. Dans la piscine municipale, là. Ah mais je me pose une question, est-ce que vous croyez qu'il y a des easter eggs du genre des gens qui baisent par la fenêtre? Genre à un endroit très très précis. Parce que moi il me faut ça pour m'immerger dans un jeu, il me faut du réalisme. Et ça inclut du sexe entre adultes consentants. Un truc, tu sais, avec une petite cinématique secrète où en fait c'est tante May et Peter il voit sa tante faire des anglais. Mais qu'est-ce que je dis, putain? Unité en patrouille, une attaque vient d'être signalée. Pas de patrouille! Le signalement a lieu à la caserne de Westside. Ils sont où? Vous êtes en haut, vous êtes où? Discrètement. Mieux vaut passer par derrière.
Derrière quoi? Derrière qui? Ah. Il y a une agression en cours. Il faut que je les arrête. Tous les coups sont permis? Cool. On va lancer des objets. Lançons les objets. Voilà. Maintenant, on peut les fracasser. Ils sont où? Putain. Qui sème la terreur? Mais qui me parle? Ils sont tous morts. Arrêtez les gars. Mais non, je tue pas. Hein. Ils agressent des gens sur les toits. Bah oui, mais c'était le réparateur du câble. Ils la tueront. Je dois agir en silence. Yuri, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Ce que penses-tu, Titi ? On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Pourquoi me maintenir LT pour viser le sol ? Je veux pas faire ça, moi. Ah, c'est pour le faire venir, bah oui. C'est honneur. C'est vrai qu'on peut faire ça, j'ai dit. Ils ont l'air si mignons en mitoufle comme ça. J'ai plus. Excusez-moi, j'avais pas vu. Ces types ne cherchent pas à s'emparer du territoire du Kingpin. J'espérais au moins avoir un week-end de libre. Je devrais le piéger d'en haut. Bon, doucement. Je peux les faire comme ça les ennemis? Non, je crois pas. Ou je marche au plafond, j'imagine. Ah putain, c'est le bordel. Ah, je peux pas? Ah merde. Pourquoi je peux pas marcher sur le plafond là? Ils veulent vraiment que je le fasse comme ça, d'accord. Je m'en souviens pas, con. Sois sage maintenant. Pas besoin de monter là-haut. Je vais monter là-haut. Quelqu'un approche. Quoi, il a du jus de citron? Il fait trop sombre, je ne vois rien. Je le jure, c'est sûrement elle qui a le dossier. Dites-moi, où est-elle? Yanjing Zendadian, Yo Kaila. Eh oui. Il me perturbe.
Ah, c'est là, d'accord, ok. C'est quoi c'est ça, ça. Mais ça appartient à... Bouge pas. Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hey. Hé, hey, Peter. MJ, qu'est-ce que tu fiches ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie... C'est vrai que dans ce lore, c'est Mary Jane qui est journaliste, enfin photographe au Bugle. Quoi? Je t'explique. Ah non, les phases... Les phases MJ... J'ai de mauvais souvenirs de ça. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. T'es con, Michel. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolé, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop. Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Alors on va éviter de passer avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez. D'accord. On va éviter de commencer à fantasmer dès qu'il y a un personnage féminin à l'écran, s'il vous plaît. Oh. Armure tête à mi-15e siècle. Un grand homme prêt à faire ce que nul autre ne ferait. Il est tellement mégalo. Ouais, on peut courir. Courons plutôt parce que... Masque théâtre. Je comprends les raisons, Peter. Mais arrête de parler. J'ai jamais été fan des héros qui portent des masques. Je crois qu'être un héros, c'est aussi assumer ses actes, dire oui, c'était moi. Et le concept de protéger tes proches, tu comprends ça? Oh là là, moi au contraire, je déteste ça, les super héros Marvel MCU là. Tout le monde sait où ils habitent, tout le monde les suit sur Instagram. Secours, quoi. Ah, Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière MJ. Ça alors, les cigares du pharaon. Simkari. On en a pas parlé aux infos. Et à Simkami, alors. Encore l'armure tatami? J'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent et se battent. C'est pas faux. C'est un peu triste aussi. Et c'est souvent pour des raisons de merde, d'ailleurs, on remarquera aussi. Je me rappelle quand Fisk a commencé à importer illégalement des artefacts comme ça. Il avait acheté le port pour couvrir ses arrières et licencié tout le personnel, y compris mon père. J'aimerais qu'il soit là pour voir que la roue a tourné. La roue tourne à tourner. Oui, Simkari, c'est au sud du pays du Docteur Doom, tout à fait. Enfin, je sais plus quelle localisation exactement, mais je me souviens que c'est un rapport avec Fatalis. Cette image est incroyable. Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. La roue tourne. Ben voilà, on reste dans le thème, n'est-ce pas? C'est Rick. Kyoto, c'est magnifique.
Ah, une partie de moi voudrait tout plaquer et parcourir le monde. Mais tout ce que j'ai est ici. Et oui, mais non, parce que tu es... Tu es la force du travail du grand capital. Tu te dois de rester là. Tu es le... Comment on dit déjà ? L'armée de réserve du grand capital. Tu te dois de rester précaire. J'ai toujours détesté cette canne. Trop kitsch. Ah oui, c'est vrai. Canne de fist fucking. On peut aller là-dedans ? Ah oui, je suis à jouer aux toilettes ! Non, ça marche pas. Il y a l'Easter eggs ici ? Ah si. Avant de parler à la dame, c'est important de tout bien regarder. Tante May adorerait ça. Je dois avouer qu'elle me manque. Pour y mettre ses pissenlits. Les pissenlits du jardin. Et combien vais-je payer pour ce recueil de cruauté et de mensonges ? Prix de départ fixé à 10 000 vies et rêves brisés. 10 000 une fois ? C'est tout ? On peut taper dessus ? On l'entend depuis les enfers. J'ai envie d'essayer pour voir. Bah oui. Oh ! On peut regarder. Quand on regarde, on peut regarder aussi. J'ai oublié ça, c'est vrai, c'est rigolo. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça va ? Je veux boire un petit coup ? Non ? Je fais mon petit footing, j'arrive. A mis au jour des crimes cachés. Voilà l'ancêtre des journalistes d'investigation. Je l'aime bien. Ah, j'ai pas fait ça. Pourquoi Fisk a-t-il appelé ça Vanessa? Parce que ça lui rappelle sa femme qui avait exactement la même forme, très certainement. Bon bah voilà, bonjour. Tout d'abord la pièce maîtresse, un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune ? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation ? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Pourquoi on fait le tour comme ça ? Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est pas très bien cadré, comme ça. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? Non. Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Ça avance, mais bien. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à thé rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut ? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord ? Mais ah vous, vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk ? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... Je suis là. C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. Allô ? Ce que je fais ? Craig. On peut pas zoomer ? Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, ah bon ? Est-ce que je peux utiliser les toilettes ? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace.
En effet. Et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Pipi! Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Hein? Ah putain, ça m'a arrêté, putain, fais chier. Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon Dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Putain. Oui, c'est très clairement une menace. Ah, je pouvais passer par derrière, j'ai pas vu, merde. Bien sûr, Craig. C'est ça. Je ne te quitte. Oh, c'est discret. Puis laisse bien la porte ouverte. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Un petit coup? Mais comment? C'est trop d'alcool. Je me demande. Elle est en roue libre. Ici. Il y a des indices partout. Mais lequel prendre en premier? Ah, une photo. C'est le Nio derrière eux. Sauf qu'il est différent. Chose. Elle a pas de la main, c'est pas articulé. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Bouche fermée, bras gauche. En bas, en droite, en bas. Ah oui, d'accord. C'est l'inverse, en fait. Peut-être que ces trucs bougent. Ah non, ça, c'est le bras droit. C'est ça, hein. Merde. Attends. Là, c'est son bras gauche. C'est pas ça? Fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Bras gauche en bas, c'est bien ça. Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Mais je peux pas prendre la paume droite. Ah non, ça c'est le gauche, putain. Oh, j'ai du mal. Peut-être qu'en tournant sa tête. Bien. Excusez-moi. Presque. Comment ça, presque ? Il manque quelque chose. Elle a l'air à l'aise avec Fisk. Il manque quelque chose. Ah. J'ai déjà vu ça.
Comment je sais ce qu'il faut lui mettre? Ah, c'est là, c'est le bâton. Ça ne va pas. Ah bon? Ah merde. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Il y a quelque chose dans la main. Ah, n'est-ce pas ça? C'est pas le même bâton. Si, c'est le même bâton. Bah si, c'est le bâton que j'ai pris, putain de merde. Il n'y a pas 36 000. Ah non, c'est l'autre là. C'est celui-là. Voilà. Norman Osborn. Mais qui est-ce? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Eh mais ce bâton déjà servi, je crois qu'il est chaud. Oh non! Excusez-moi, monsieur! Non, vous ne pouvez pas! J'ai tellement envie de pisser, putain. J'aime pas ça. J'aurais pas être aimé être à sa place. Où est la statue? Ici. Dans ton cul. Bah,文件找出来. J'aime bien la texture des fringues quand même. On sent bien le cuir, on sent bien le jean. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Bim. Est-ce que... Elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. Eh bien, je maintiens LT pour viser. Il se fout de ma gueule ou quoi? Je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Pas de sushi. Coucou, je panier. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient, ce type de lasse-point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Et voilà. Ça l'est sûr. Est-il? Je vous jure que je l'ignore. Je vous dis que c'est la journaliste. L'as-tu le prendre? Je vous en prie, c'est la vérité. Vous êtes inutile. Mais ils savent pas lever la tête, c'est vrai. Merde, je passe par où? Je dois rester discret. Mais attends, mais y a pas de passage ou pas? Merde.
Je le vois pas. Te relâche pas, Peter. Quoi ? Il n'a pas vu venir. C'était le dernier. Arrêtez! Faut pas jouer avec les sexeuils du patron. Heureusement qu'ils ont aucun réflexe, qu'ils ont pas appuyé sur la gâchette. Bonjour! C'est pas bien de prendre des otages, les gars! Ah, c'est vrai qu'ils ont des trucs dans la bouche. Machin qui brille sur vos mains. Mais vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes, moi. Enfin, j'ai affronté des spectres. Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes. Vous le saviez? Ouais, on dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes. Tant pis, je garde combattre un fantôme sur ma liste d'objectifs. Voilà. Il va falloir que je fasse des améliorations de ces quatre quand même. Ne serait-ce que pour changer un petit peu mes coups. Le cardio, c'est fait. Ta gueule, Peter. Ouais, je pensais la même chose, c'est vrai. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Il y a un historique spécifique à la version Jap. C'est quoi, hein? Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je n'en sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Ah oh, putain, c'est Élise Lucet. On aura des nouvelles de notre avocat. C'est Marie-Jeanne Lucet. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Ah, chez Mick, c'est chic. Comme si tu m'avais pas trompé avec la chatte noire, hein. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben... Chaque fois qu'il mange quelque part à New York, les gens, c'est toujours les meilleurs de la ville. Majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque... Les meilleures frites de la ville sont à Bruxelles. Bruxelles, pardon. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Pour pécho. Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais...
Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Je ne sais à quoi il me fait penser avec sa sale gueule de remaster, là. Il me fait penser à un personnage là dans Heavy Rain. C'est pas Heavy Rain, c'est où le truc avec les robots, ça là. Ça le... fait très plaisir de vous revoir ensemble. Ah, mon Dieu. Vous êtes toujours bien aimés, tous les deux. J'ai oublié ça. C'est Mikli. Become Human, voilà, c'est ça, des trois Become Human. Pas d'être libéré sur parole? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Herman est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après un tête-à-tête avec mon ex, que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Alors donc, du coup... Il y avait une pause spéciale pour la version japonaise, c'est ça, ils faisaient la pause du Super Sentai, d'accord, ok. Comprends. Hein. J'ai 6 pièces. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça, ouais. Moi, j'ai envie de continuer un petit peu, je ferai ça, je ferai les... au début du stream, le prochain stream. La moitié des tours de surveillance sont déjà réactivés. Oh. L'inspecteur Spider est sur le coup. Quels que soient les obstacles. Ta gueule. Ta gueule. Je vais tout clear. Ce que je vais faire, là, avant d'avancer, je vais tout clear et les tours. Et ce qui va se passer après. Le prochain stream, je ferai les upgrades. Non, en début de stream. Elle refusait de l'admettre. Mais la capitaine commençait à apprécier l'inspecteur Spider. Sa manière désinvolte de bousculer l'ordre établi lui apportait une bouffée d'air frais. Et elle finira par s'y faire. Merde, oula, qu'est-ce qui se passe? Oula. 10-72, des individus armés agressent des civils. Et bah, c'est comme ça. Ah, c'est tout. Des fois, il faut s'y faire un petit peu. Pas de partout, hein. Que je fais? Pourquoi je fais ça? Au secours. Je vais débloquer celle là-haut déjà. C'est quoi les trucs bleus? Je sais plus. À l'assaut du château, mission annexe. À l'assaut du château. Ah merde. Ah, j'ai loupé mon... Fais chier, j'aime pas louper mon élan. Appel à toutes les unités, on a une poursuite de véhicules en cours. Le signalement a lieu près de Lincoln, terminé. Ah, j'y vais. Attendez, je passe par eux là. Je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait... Et gros, ça y est. Encore des matras? Ils se sont donné le mot. Chose de faite.
Il y en a assez de chauffeurs fous dans cette ville comme ça. Bah tiens, allons là-haut. Capitaine, je suis sur un chantier non, de fisc. Non, c'est pas là. Et leur équipement est couvert de poussière. Non, non, je vais pas sur un chantier de fisc. Raconte pas des conneries. Ça fait deux fois. Ça me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser. Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Attends, sérieux, tu le vois pas venir? Tu es naïf, petit Parker. Unité disponible, vente de stupéfiants signalée. Encore la drogue. Incroyable. Moi je dis, ils auraient dû mettre le jeu un peu à jour et... Trafic de NFT. Ils sont où? Merde. Ah merde, trop raté, c'est pas grave. Et quoi? Vous comptez déclarer ça aux impôts, n'est-ce pas? Je vais les perdre. Il faut que je me dépêche. Et ben alors, j'étais dessus, putain. Oh, c'est pas possible. Et on se prépare. Ah merde! Mais pourquoi? J'ai spammé comme un fou. La drogue est peut-être le crime que je déteste le plus. En tout cas. Oh, quel gâchis. C'est en haut de la liste. Ou bon, en bas, ça dépend comment on voit. Les policiers arrivent. C'est pas qu'on soit fâchés, eux et moi, mais je vais pas prendre de risque. Et là? Yeah! C'est où? Ah, c'est sur le toit? Merde. Boum! Devinez ce que je pense des racketeurs. Merde, c'était pas lui que je voulais. C'est pas grave. Tant pis, il est mort. Merde. Ah, mais c'est vrai, c'est un groupe. Mais oui, mais écoute, con. Ah non. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est appeler la police et la laisser faire. Je t'adore. Cool. J'avais oublié à quel point j'aimais la photo. C'était pas fait exprès.
making our way over from Pier 4 now. Show us about 8 minutes. Hey, tiens, un crime. Merde, il y a un sac. Merde. Attendez. Merde. Putain, c'est pas vrai. Ah, il me fait l'amour. C'est Manuel Curtil. Mais bon. C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. C'est toujours un succès. Bonne nuit, Eric Rest. On se parle. Ça y est, la police est en route. Et moi aussi, du coup. Fais ça, j'arrive. We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Ah. Vite. Je suis pas obligé de le lancer, je crois. Oui. Merde, je sais, j'ai oublié qu'il y avait des QTE là. Ah! Tout le monde est sauvé. Attends, je m'en souvenais plus du tout de ça. Laissez la police faire son travail. Je voulais aller où, moi? Je voulais aller là. C'est pas là du tout. C'est de l'autre côté. C'est pas grave. Les colombes dans la gueule. Incroyable, je crois qu'on a au bout du fil une auditrice béotienne qui pense que Spider-Man nous a tiré du pétrin. Voyons si je peux lui remettre les idées en place. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Oui, je voulais juste vous dire que Manhattan ne m'avait jamais semblé aussi calme et aussi sûr. Rappelez-vous comment c'était avant l'arrivée de Spider-Man. Très bien, d'accord, comparons. Il y avait des gauchistes avant, partout. On avait des policiers et des pompiers qui faisaient un travail formidable. Ah merde. Il y avait des crimes. Ça restait dans leur corde. Bien sûr, on a des trucs aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Des tarés qui lancent de l'électricité avec leurs yeux. Des tas de sable qui marchent. Des abeilles nazies. Ah ouais, les abeilles nazies, c'est vrai. C'est pas la question. Ils existaient pas avant que ce taré débarque. Ah, c'est con parce que ça coupe le podcast quand tu vas dans le... Arc. Au mieux, ils les attirent. Mais je me demande souvent s'ils ne sont pas de connivence. Waouh. J'avais jamais entendu quelqu'un prononcer connivence. Écoutez, ce que j'en dis, c'est que j'ose pas imaginer super ce qui se serait passé si tous ces gars s'étaient pointés en l'absence de Spider-Man. Encore une cause perdue. Au revoir. Bah, c'est clair qu'il a limite une voix ASMR, hein, Jameson.
Comme ça, le putain de tour se sera fait. Le prochain stream, on pourra vraiment s'amuser. Les abeilles nazies, moi que ça. Je me souviens d'un truc avec effectivement un essaim d'abeilles. Qui prenait forme humanoïde, genre en se mettant. Enfin. Mais après, nazi, je me souviens pas que c'était spécialement nazi. Je ne sais pas. Techniquement, ils sont tous un peu nazis, les méchants, puisqu'ils veulent, ils veulent le pouvoir et éradiquer les gens qui sont pas comme eux. Bien sûr qu'on va collecter les collectibles après. Évidemment. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon on prendrait pas vraiment de plaisir à faire des galipettes. Non. Je voulais faire ça, mais j'ai fail. J'ai raté. Ah! Un sac à dos facile. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Agression en cours. Restez prudent. Les suspects sont armés. Besoin d'agents à Central Park. Oh, ça switch! Merde, il est méchant. Il y a des prolos à tabasser. C'est un hold-up. Oh la vache. J'ai pas de gadget, attendez. Mes gadgets ils sont pas... Ils étaient pas sélectionnés, je sais pas pourquoi. Ah merde c'est vrai. Oh, putain j'oublie tout le temps. J'aime bien faire ça. C'était rigolo. Pardon. Un braquage de temps en temps. C'était nul à chier. De temps en temps quoi, c'est-à-dire qu'il les arrête pas tout le temps, des fois il regarde. Hein. Et il se branle. En se disant, oh là là, si seulement j'étais là pour arrêter ça, ces pauvres gens qui ont besoin de moi. Ils se tirent les tétons et tout. Le menu RB, je trouve ça super relou. Ouais. Ben, je sais pas, en général, c'est... C'est souvent ça, quoi. J'ai l'impression dans les jeux, non, les roulettes de... Ah, les NFT. C'est où? Pas de patrouille, pas de patrouille. Ah, bonjour. Ici, pas de patrouille. Ah merde. Putain, je vois rien. Je vous jure, je vois rien du tout. Vivement le jour. Hein. Voilà, attention. Merde. Attends, quand il y en a deux. Wouh. Ah putain, c'est chiant. Ah, déjà, non. Ah putain de merde. Ah.
Ah, c'est vrai que j'ai pas les super pour les gros, putain. Merde. Ah, j'étais persuadé que j'avais les ultis pour les gros, mais non, c'est un truc qui se débloque. Putain, le con, je suis débile. J'ai pas fait attention. Ah oui, ils m'en mettent là, d'accord, ok. Ah voilà, je suis mort une fois. Ah là, j'ai failli à ça. Capitaine, je suis sur un chantier de fisc. Non, je suis pas sur un chantier de fisc. Couvert de poussière. J'ai tellement envie de... Oh putain, mais j'ai pas vu l'heure, ouais. Faut que j'y aille, moi. Je vais aller voir ça de plus près. Scrooge, tu es juste tombé par terre. Ouais, c'est vrai, c'est une mort un peu nulle, j'avoue. Bon bah, on continuera de débloquer les tours la prochaine fois. Je mettrai à jour mes compétences et tout ça. Puis on reprendra. Ah, c'est pas tout prêt, merde. Ok. Je comprends ce que vous dites, mais Spider-Man, il a arrêté ces types. Vous le rangez dans le même panier, juste parce qu'il porte un masque. C'est un préjugé. Faux. Une petite leçon de vocabulaire juste pour vous. C'est du racisme. Signifie qu'on la juge avant de savoir quoi que ce soit. Ah non, c'est vrai qu'on lui coupe la chic quand on fait pause. Bon, il y aura plus que les deux zones. Ah, il y a plus que les deux zones là. Oh là là, c'est dommage. Bon allez, on les fait puis on arrête. Ah putain. Ah, pas marché. À l'ancienne, même les criminels se mettent au vintage. Merde, j'ai perdu le flow. J'ai faim, merde. Ah, mais... Allez, plus qu'une. Merde, y'a un crime. Mais que fait la police ? Redescends un peu.
tous en prison. Et je doute que vous soyez meilleur en évasion qu'en effraction. J'ai oublié un sac à dos. Et voilà. Oh, ça déverrouille un succès, dis donc. Incroyable. Bon bah voilà. Je me mets en hauteur. Comme j'aime bien faire. Et puis, on verra la prochaine fois. Sauvegarde manuelle, s'il vous plaît, oui. Bah alors. Ah ça, voilà. Ça sauvegarde, on est d'accord, hein. Oui. Ok. Eh bien voilà, pour ça fait plaisir. Ça fait plaisir de s'être replongé dans ce jeu, qui est quand même très optimisé, très bien optimisé pour le PC. Ce remaster est excellent. Bon, le jeu déjà de base était... Ah merde, j'ai toujours mal. C'est vrai. Et en fait, c'était moi. Attendez. Au secours. Il est où? Ah non! Merde, je me suis gouré, attendez. Je me suis gouré de boutons. Je les défave au lieu de... du coup, c'est... merde, c'est lequel? Il est où? Ah non, secours, je peux pas enlever mon masque. Ah voilà, je le refave. Il est où? Du coup, maintenant, il est tout en bas de ma liste, forcément. De ma longue liste, voilà. Parce qu'en fait, c'était moi depuis le début. Voilà.